ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Que le Seigneur soit béni. Bienvenue dans votre émission. Il est minuit. Et euh, c'est une joie pour moi de partager euh, cette, euh, cette parole avec vous et euh, cette courte exhortation pour euh, nous encourager tous. Seigneur, au nom Yeshua, nous bénissons ton nom pour l'œuvre que tu fais dans nos vies, pour ta bonté, pour ton amour. Père très saint, que ton nom soit glorifié. Au nom Yeshua, notre Seigneur et Père. Amen. Nous sommes dans Marc chapitre 5, à partir du verset premier. Et ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadarénien. Aussitôt que Jésus fut descendu de la barque, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint à sa rencontre. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, pas même avec des chaînes, car souvent il avait euh, eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne ne pouvait le dompter. Il était continuellement nuit et jour sur les montagnes et dans les sépulcres, criant et se meurtrissant, meurtrissant avec des pierres. Mais ayant vu Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui, devant lui. Et criant d'une voix forte, il dit Qu'y a t il entre nous et euh, toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te conjure, au nom de Dieu, de ne pas me tourmenter. Car Jésus lui disait Sors de cet homme, esprit impur. Alors il lui demanda quel est ton nom, légion. Et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors de cette contrée. Or il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et tous ces démons le priaient en disant Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et aussitôt, Jésus le leur permit. Alors, ces esprits impurs étant sortis, entrèrent dans les pourceaux qui étaient environ deux mille, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui paissaient les pourceaux s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Ceux de la ville sortirent pour voir ce qui était arrivé. Ils vinrent à Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu. La Légion, assis et vêtue et dans son bon sens. Ils furent saisis de crainte. Et ceux qui avaient vu le miracle leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Voilà, donc euh, euh, c'est une, euh, une histoire que, que beaucoup connaissent. Euh, je veux juste m'arrêter sur euh, le verset. Euh, et euh, 17. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Et ça, c'est terrible, mes amis. Le Seigneur va euh, se retrouver face à cet homme euh, possédé de plusieurs démons, une légion, certainement entre 3 et 6 000 démons. Et cet homme était fou. Il était euh, condamné. Il, plus personne ne pouvait le dompter, l'éduquer le délivrer encore moins. Et euh, il avait élu domicile dans euh, les sépulcres parmi les morts. Et voilà que Jésus va se retrouver sur ces territoires où habitait cet homme, justement. Il va le délivrer. Cet homme va être euh, vêtu, car il était bien sûr nu. Il va être vêtu par le Seigneur. Il va être euh, dans son bon sens. Il va être assis. Il va être stable. Et les démons quittent. Son corps, bien sûr, pour aller dans les pourceaux. Il y en avait à peu près de 2000. Et qu'est-ce qui se passe Les gens de la région qui ont vu ce miracle, ceux qui étaient présents, ils vont, le, ils vont en parler aux gens de la région et ces derniers viennent constater effectivement cette délivrance et ils vont supplier Jésus de quitter leur territoire. Pourquoi Parce qu'ils avaient perdu leur euh, leurs biens, ils avaient perdu leurs troupeaux hein, de porcs, de pourceaux, un animal bien sûr euh, euh, dont la consommation sous Moïse était euh, est, euh, interdite. Et ils vont plus s'attacher au bien de ce monde qu'à l'Évangile. Vous vous rendez compte Ils vont supplier le Seigneur de quitter leur territoire. Jésus-Christ qui est la vie, qui est la vérité, qui est le chemin qui est le Dieu Tout-Puissant, celui qui est venu apporter la vie, comme il a dit lui-même dans Jean chapitre 3, de même que le, le Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il était venu, il le disait, il était venu pour sauver les gens, pour sauver ceux qui étaient perdus. Mais ces hommes ont préféré, mes amis, supplier le Seigneur, le chasser de leur territoire, parce qu'ils avaient perdu leur bien. Ils ont préféré. Ils auraient voulu voir cet homme euh, possédé, rester possédé jusqu'à sa mort. Ils auraient voulu voir cet homme rester dans la souffrance jusqu'à la fin de sa vie, plutôt que de recevoir la vie éternelle. Et cette histoire est très, euh, mes amis, euh, riche d'enseignements et euh, elle peut concerner chacun de vous, chacun de nous. Combien aujourd'hui euh, euh, ne chassent-ils pas le Seigneur parce qu'ils ont perdu euh, leurs biens, parce qu'ils ont perdu leur véhicule, leur travail Combien ne sont-ils pas euh, aujourd'hui euh, euh, enclins à chasser le Seigneur et euh, à, le, à le répudier carrément, carrément, parce qu'ils préfèrent s'attacher à leur ministère qu'au Seigneur Combien, mes amis, euh, euh, ne remplacent-ils pas le Seigneur par leurs femmes, par leurs maris, par leurs enfants, par leur travail, par leur business Combien, mes amis, hier, qui étaient euh, des, des frères et soeurs qui étaient zélés, euh, même des hommes euh, et, euh, qui n'ont pas forcément connu le Seigneur et qui préfèrent euh, le monde, qui préfèrent leur bien, leur richesse au Seigneur Et ça, c'est terrible, c'est une histoire terrible. Donc, ça veut dire que le malheur de certains... Le malheur de certains fait le bonheur des autres. Cet homme possédé était dans le malheur, dans le déni, dans la souffrance, mais ce n'était pas le problème des mes amis, euh, des, 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 des propriétaires des pourceaux. Certainement, ils le croisaient, ils le voyaient de loin, mais ce n'était pas leur problème. Donc, cet homme avait moins d'importance pour eux que leurs leur pourceaux. Comme aujourd'hui, les hommes deviennent de plus en plus euh, euh, et, euh, et, euh, moins importants aux yeux de leurs semblables. Il y a des hommes qui vont accorder plus d'importance aux animaux qu'à leurs propres semblables. Et nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de temps. Donc, euh, je voulais juste nous exhorter vraiment à veiller, que chacun veille, pour ne pas que euh, nos affaires personnelles, nos business, vos business, euh, vos, votre travail, vos, votre vie professionnelle, euh, ne remplace pas euh, la relation que nous sommes censés à avoir. Euh, avec, euh, avec le Seigneur, que euh, vos projets euh, terrestres ne remplacent pas euh, votre projet spirituel, votre relation avec le Seigneur. Souvenez-vous, quand vous êtes converti, vous n'aviez rien. Le Seigneur a ouvert des portes pour chacun de nous, pour vous, et il ne faudrait jamais, jamais le renier à cause de cela. Ces hommes ont chassé le Seigneur, et le Seigneur, tel, un, tel le Dieu bon, le Dieu gentleman, le Dieu euh, euh, Saint, le Dieu plein d'amour, il va accepter de s'en aller. Pourtant, c'est lui qui a créé ce territoire. C'est lui qui est le propriétaire de la terre. Il va être chassé et il va sortir. Il va s'en aller effectivement. Quelle, mes amis, euh, quelle euh, leçon d'humilité de la part du Seigneur, de simplicité. Pourtant, 1 Corinthiens 10, 10, 10, 26 nous dit La terre avec tout ce qu'elle renferme appartient au Seigneur. Mais là, on a chassé le propriétaire de la terre. Il est, il est, il est, il est parti sans protester. Et effectivement, il a dit Voici, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Dieu ne nous impose pas sa volonté. Dieu nous propose. Et il nous invite au salut. Il nous invite à le suivre. Si vous avez. Euh, euh, abandonner la marche chrétienne. Si vous êtes détourné du Seigneur, il est temps, il est l'heure de revenir à la maison comme le Fils prodigue. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde au nom de Yeshua. Père très saint, je bénis mes frères et sœurs, que cette exhortation encourage chacun, les fortifie, que ceux qui avaient abandonné la foi la retrouvent, que ceux qui s'étaient éloignés de ta maison, de ta présence, reviennent vers toi. Seigneur, nous ne voulons pas euh, te remplacer par les biens de ce monde, par le ministère par les hommes de ce monde, car toutes, choses, toutes ces choses vont passer et toi tu demeures éternellement. Au nom de Yeshua, Amen.